Alors que l'émission Complément d'enquête vient de diffuser des propos très choquants de la part de Gérard Depardieu, l'acteur, visé par plusieurs plaintes, a décidé de prendre la large. D'après les informations de Voici, il a décidé de partir pour un long moment. Une semaine après avoir enflammé les réseaux sociaux avec leur enquête sur Cyril Hanouna, les équipes de Complément d'enquête viennent de frapper un nouveau coup. Cette fois-ci, CST, un monstre sacré du cinéma français qui est au cœur de l'investigation menée par les journalistes de France 2. Dans un extrait tiré d'un film de Yann Moix et diffusé ce jeudi 7 décembre, on peut voir Gérard Depardieu tenir des propos particulièrement choquants à l'encontre de la reine féminine. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont la CHT qui frotte sur le pommeau de la selle. Si est-ce des grosses salpes ça, lance l'acteur alors qu'il se trouve dans un hara en Corée du Nord. Des propos qui viennent s'ajouter aux nombreuses accusations qui pèsent sur Gérard Depardieu depuis quelque temps. Après une mise en examen en 2020 suite à la plainte de Charlotte Arnoux, plusieurs femmes ont accusé l'acteur d'agression sexuelle. Une nouvelle plainte vient d'ailleurs d'être déposée par l'actrice Hélène Darras à son encontre. Face aux nombreuses polémiques qui l'entourent, l'acteur a pris une décision, partir, comme le dévoile Voici dans son édition du 8 décembre. D'après leurs informations, ce dernier a décidé de lever l'ancre et il s'active en ce sens ces derniers temps. Vu au Portugal, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas, il chercherait actuellement à acheter un bateau et à recruter un équipage pour prendre la mer. Gérard Depardieu veut faire un tour du monde en bateau quand il a appris que certains le soupçonnaient de vouloir s'installer au Portugal pour faire de la défiscalisation, il était furieux. Lui, tout ce qu'il veut, si est-il faire un tour du monde, comme Laurent Ferrino, Thierry, l'ermite ou Antoine avant lui, raconte un proche à Voici, avant d'ajouter, il veut se laver la tête. Face aux nombreuses accusations contre lui, Gérard Depardieu est semble-t-il devenu indésirable dans le cinéma français, comme l'indiquent nos confrères. Aucune actrice ne veut plus tourner avec lui, et les producteurs sont hyper frileux, assure un proche de l'acteur à nos confrères. Invité de Complément d'enquête, Jean-Louis Lévy, producteur et ami de Gérard Depardieu, a évoqué la situation de l'acteur. Il va mal, sans doute à juste titre, assure celui qui est également agent. La star a été contactée mais a refusé d'être interviewée. Le complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu a intéressé les Français, si l'on croit Pure Média. Avec 1,52 million de téléspectateurs et 18,5% de part d'audience, l'émission réussit l'un des plus beaux scores de son année,